Bah salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Hop, on est comme Mars. Ouais, on verra pas la luminosité, mais on s'en fout, on n'est pas là pour voir mon visage, on est là pour voir le jeu. Pas le reflet par contre. La lumière du jeu, c'est trop bien, on adore les gamers. Hop, dans la gueule du loup, chapitre 7, c'est parti! C'est grave de jouer comme ça. On joue normalement pour le début. Après. Alors on avait fini le chapitre 6 où on était dans les sols où il fallait réduire des projecteurs pour récupérer l'électricité. Là, chapitre 7, on est dans le réacteur, on va tout faire péter. Est-ce qu'on avait... De mémoire on avait fait... Hop. Ça... Il n'y avait pas de matériel, c'est normal. Faut que j'utilise un petit peu plus Barrett pour récupérer son attaque. Il n'est pas encore récupéré. On va bien le faire. Allez, zou. Par où est-ce qu'on est censé descendre? Là, c'est... Oh, c'est une bonne idée, ça. Ok. Passe devant. Ça va aller, hein. Mais où les mecs, on est là quand même pour détruire un réacteur quoi. J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Coffre. Ouais, j'avais fini la session sur un combat de merde où je me faisais laminer, j'avais plus de vie, j'avais plus rien. L'enfer. Sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance on tombait nez à nez avec elles, on aura intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance qu'elles soient en train de roupiller, là. Alors. Materia. J'ai mis offense. En fait, je verrai bien l'analyse. Je vais mettre une materia foudre. Parce que voilà, quoi. Arrête, il était avec ça. Allez, go. Médaille Mog. Il dit pas non. Je sais même plus à quoi elle sert, donc. C'est automatique. Y'a pas de la compagnie? C'est bizarre. C'est pas un peu trop calme. Ouais. Ouais, pas trop votre vous allez nous arrêter. Ah bah voilà. Pétence. Ah le con. Trop facile. Merde. Barrette, il a pas encore son... Sa compétence d'arme. Du coup, si je change, je perds une materia. Potentiel de choc élevé. Ah, le con. Ouais, on considère les matérias comme ça. On va espérer qu'il y ait des petits fights. Et puis, il faudra vite que je re-switch avant le... Ah. Non pas. On va bien voir. Je pense qu'on aura un petit peu de fight quand même avant. Il y a des petits fights, ça va le faire. Que je fasse un switch automatique sur Barrett. Non mais je fous de ma gueule ou quoi? Peut-être.
pas de la merde. Mais... Potence. Ah, touché. Éther supplémentaire, bien. Passerelle, deux trucs. Ça peut le faire. Le chat est dans le pire endroit au monde là. Bouge-toi, s'il te plaît. Allez, oust. Oust, tu gênes. Ah, Titi. Il me dit bonjour. Bonjour. Allez, hop. Va te coucher sur le lit, tu seras plus confortable. Oui, tu veux des papouilles? Bah, tiens, voilà, quelques papouilles. Maintenant, faut que je retourne au stream. Non, alors non. Si c'est les papouilles, c'est pour finir par me mordre la main, c'est même pas la peine. Tu arrêtes. Non, mais oh. Patron ici. Je sais que c'est toi, mais quand même. Allez, activez-vous. Parfait. Voilà enfin notre comité d'accueil. Il est tourelle. On m'occupe de les dégommer. Non, tourelle, Barrette. Tourelle. C'est tout. Compétence. Arrête, on est force. Il y a plus de vie. Cloud a-t-il une compétence? Yes, sort, foudre, dur. D'ailleurs, A. Essayez de récupérer le plus vite possible la compétence. Barret est touché? Non, c'est Tifa qui est touché. Tifa est à terre. Ok, ça commence mal. Aussi, c'est bien. 16. Là, faut absolument que tu fasses un soin. Arrête. Non. Là, c'est bon. Compétence. Hop, hop. Compétence d'armes assimilées. Parfait. Alors, on peut retourner là-dessus. Barrette, équipement. Lidasseur. Ensuite. Amélioration d'armes. Barrette. On va voir si je peux pas foutre une petite compétence. Avec magique, ok. Lui, je pourrais pas. Donc, ici ou ici. Dégâts physiques, hein. Je vais mettre l'attaque magique parce que, vu que.
L'arme le permet là. Ok. Ce qui va être pénible, c'est que je ne commence pas le fight full life. Les potions. Hein. Ah, il a moins de 3. Et on va utiliser un éther sur Cloud. Voilà. Ok. Ça devrait le faire. Je venais de là, du coup. Soit par là. Là. Soit par ici. Par contre, je ne sais pas à quoi sert sa compétence esprit de Karana, Adri, à Barrette. Donne de ses PV à un équipier, une seule fois pendant les faits. Ok. Oh, un gilet pare-balles. Arrête, il a quoi? Bracelet de magie. Il a un talisman. Pour améliorer son esprit. Améliorer sa résistance. Plutôt lui mettre un gilet pare-balles. Par contre, question que je me posais au niveau de l'équipement. Est-ce que Cloud, je le fracerai pas sur la lame d'acier? Enfin, sur... Là-dessus. Il n'y a pas de bonus de mythe. J'ai déjà assimilé de base. Regardez ce que propose l'épée glorieuse. Là, j'ai tout. Là, j'ai que ça. Là. Plus de vie, plus une matérie en plus. Je peux en mettre deux. Ce seront là. Je réfléchis. Je pourrais mettre trois trucs. Je vais mettre. Peut-être faire ça, hein. Oui. Là, je vais améliorer l'attaque magique. Là, c'est la matéria qui m'intéresse aussi. La matéria qui a m'intéressé. On va mettre la matéria. Et là. Ah, c'en est une de 4. Putain, j'ai mal géré. Idiot bête. Là, j'ai plus de dégâts, mais j'ai moins de résistance. On va quand même mettre ça. Non, 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 non. Voilà. Si je fous ça, je gagne en magie. Je perds juste un peu en défense. 5 points. Et on va faire ça, je pense. Je vais remettre cette matériel là. Je vais mettre ça. Feu, je vais peut-être la virer. Je vais retirer. Celle-là, je la décale. Ici. Là, je vais garder la soin. Et là, je vais piquer ce que j'ai mis à Barrette. Du coup, c'est Cloud qui va avoir la compétence électrique. Électrique. Ce qui fait que Barrette, ici, il a foudre, glace,
Je vais peut-être échanger celle de Barrett et celle de Cloud. Hein. Est-ce que je pourrais lui mettre? Analyse, on s'en fout. On s'en fout. Bon, j'en ai déjà une. Direction, c'est Tifa qui l'a. De la chance. Augmenter la chance. De toute façon, on laisse ça comme ça pour le moment. Intervertir des matérias. Comment j'avais fait? La petite celle de Cloud. Et Cloud. Celle-ci, l'ancienne de Barrett est ici. Comme une foudre qui est moins qui est moins travaillée, mais pas grave. C'est voulu. Du coup, il y avait un coffre ici que j'ai ouvert. Nickel. Let's go. On devrait le faire. Ok, réacteur numéro 5. Et ça se trouve, je me trompe complètement. Elle est pas du tout électrique, mais comme c'est une machine. Ah si, je me souviens pourquoi il déteste la Shinra. Arrête. J'avais dit qu'on ne connaissait pas ses motivations, mais on le connaît plus tôt dans le deuxième épisode. Je ne connais plus du tout l'histoire de Barrett. Faut faire le chemin inverse. Ok, let's go. Ces criminels qui menacent le bien-être de la population. Et donc,
Pour rassurer le peuple en proie au désarroi, vous allez nous offrir un spectacle palpitant, dont le grand final sera... Oh non, pas lui! Le tout dernier fleuron de technologie de notre armement autonome. L'aérodestructeur qui sera notre exception. De l'équipe technique. L'arme de l'aérodestructeur n'est près qu'à 60%. Cela prend plus de temps que prévu. On est en direct. Mais... Message à tous les effectifs de sécurité. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Ah. Et là, j'ai besoin des flammes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est parti. Hop, en rapide. Non, ça c'est un mur, Tifa, calme-toi. Ça les arrange pour nous discréditer. Ils nous ont bien eu. Non, on va pas les laisser faire. J'ai une idée. Ils veulent une exécution publique. On va défoncer leur gros tas de ferraille. Ça leur foutra la honte devant tout le monde et en direct. Ouais, bonne idée. Ordre du directeur Heidegger. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus. De les conduire sur le pont. Je répète. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. Accélérez un peu le rythme. On ne peut pas faire attendre le directeur. Ah, c'est vrai. Le chargement est prêt. On se souvient de ce qu'il faut faire. Ici le B8, transfert en cours. Merci. Ah, j'ai... Les intrus ! Arrêtez-les ! Acheminé par des monts de charge. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On peut peut-être limiter ses capacités. Ce serait un avantage. Allons voir la console de contrôle. C'est la machine qui est là-bas, c'est ça? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il faut une carte d'accès. On va chercher ça. Alors, Oh là. Pas d'accès. T'en as trouvé une? Ouais. Oh, rapide, hein. Génial! Faisons joujou avec la console de contrôle. Ah, je crois qu'il faut choisir. Non, je sais plus. Attendez, laissez-moi réfléchir deux secondes. Je sais plus si on choisit ce qu'on lui retire, justement. Là, on peut rien retirer. On va lui retirer un truc. D'un élément? Ouais. Une sorte d'amélioration à base de matériel liquéfié.
Qu'est-ce que tu peux faire? Retire ta main de là, s'il te plaît. Destination pour que ça aille au rebut. Les ITNM sont des composants servant à maintenir le système interne de l'aérodestructeur. Les envoyer au rebut n'aura pas d'impact direct sur les capacités de monte de cette machine. Et si vous les récupérez, là, non, ça sera plus aisé pour vous. Oui. Rejet de l'unité M validé. Tu vas voir, Heidegger. Ça va te foutre la rage. C'est un peu bizarre cette caméra. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors attendez, parce que l'unité M elle reste là, mais je pense que je peux la récupérer. Ah non, elle va là-bas. Au rebut, ok. Est-ce que je ferais pas ça? Cloud. Je vais mettre feu en attendant. Et ensuite, faut que je pense à repasser en électrique, sinon ça va être. Si ça se trouve, ils sont encore en train de nous observer. Ouais, on passe sûrement à la télé. On pourra rien y changer. Alors autant essayer de garder le sourire. Alors bien sûr, c'est pas ça. S'occuper des canons d'abord. Potence. Pas de coffre par ici. Ici non plus. Bah, cassos. Hein. C'est ça en fait, on va devoir choisir ce qu'on retire du robot. Donc j'ai retiré une ITM déjà. Allez, s'il te plaît. On voit déjà la carte. Ici le niveau moins 7, transfert en cours. C'est parti. C'est fini pour toi. On va pas vous laisser passer. Il y a deux consoles de contrôle cette fois. Parfait. On va les emmerder deux fois plus. À condition de trouver des cartes. Une petite materia. Poudre. Bah tiens donc. Donc on avait vu une carte. On est rentré dans la salle. Il est posé ici. Ok. T'as trouvé ? Il y en a qu'une. Alors, on a deux consoles, mais on peut en utiliser qu'une. Cloud, à toi de choisir. C'est ça, on va devoir choisir. Soit on retire Nia, soit on retire un missile. Alors, attendez, je vais regarder. Et donc, ça, c'est la console qui sert à transporter des gigabombes. On les appelle aussi Big Bang. Elles sont particulièrement puissantes. Alors si on les jette, il en aura moins. Je te laisse décider de ce qui est le mieux. Munition de l'attaque la plus dévastatrice. Ok. Je vais regarder ce que c'est que l'autre. Ici, c'est quoi? Ils servent à quoi au juste ces cœurs d'IA? Ils améliorent le programme de gestion des mouvements. Ce qui veut dire... Ils rendent le robot plus rapide. Un robot puissant et rapide? C'est pas rassurant. Réfléchis bien à ce que tu vas envoyer au rebut. Et du coup, ces composants contrôlent l'intelligence artificielle. Si vous les envoyez au rebut, la fréquence à laquelle le robot de guerre utilisera l'attaque étourdissante rayon digitaux diminuera. Ok.
On va déjà lui retirer. Je pense qu'on va lui retirer une bombe. Ça sera moins chiant à gérer. Ça, c'est la console qui sert à transporter. Oui, je sais, arrête. On va retirer une gigabombe. Mais je crois qu'on a du genre 3 ou 4 cartes d'accès à trouver. Rejet de la gigabombe validé. On va retirer les gigabombes. Ça leur apprendra. Tu sais où va le matériel qu'on a envoyé au rebut ? À mon avis, tout est entreposé dans une même salle. Intéressant. Des gigabombes, des cœurs. C'est probable. On pourrait les récupérer. Faudra d'abord trouver cette salle. Allez go. Donc là on voit que on a retiré une bombe, une unité. Ce qui est important avant le fight, c'est vraiment de tout récupérer. Je pense à changer la matéria. Habitants de Midgar, écoutez-moi. Tout ce que la Shinra vous raconte, c'est que des bobards. L'Amako est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors Barrett, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. Tu peux être sûr qu'ils ont coupé le son. Let's go. Donc on a 8 niveaux. Et 10 trucs. C'est parti. Vous en avez dit, non ? Bah ça va là, on va se calmer. Pétence, enchaînement rapide. On a une carte d'accès. Faut vraiment fouiller quoi. Je pense pas qu'on en ait deux au même endroit, mais bon. Après, on peut faire le fight en laissant tout sur le robot. Hein. C'est pas un problème. C'est juste qu'on s'ajoute de la difficulté, mais ça c'est. Deux matériaux qui ont monté. Ok. Attention. Alors, ici. On va avoir une carte d'accès pas très loin. On va checker. Là, voilà. T'as trouvé une carte? Une seule. Et cette fois, il y a trois consoles. Il va falloir choisir. On va lui retirer ça. C'est la console de contrôle des cœurs. Et on va lui retirer une autre bombe. Rejet du cœur d'IA valide. Heidegger sera sûrement furax. Ça non. De toute façon, je ne sais plus ce qui. En fait, je ne sais plus ce qui vaut de la valeur ou pas. On va retirer du coup tout ce qui est gigabombe et tout. Mais en fait, c'est que dans les coffres, il doit y avoir des objets. Je sais pas si les objets sont intéressants dans les coffres en fait. J'imagine la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte.
Ok, let's go, niveau suivant. Là on va avoir un fight. Oh, feu rose, tiens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Faire de gants super service. Ah bah ça on va pas dire non. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici? Que dalle. Hop, du coup équipement Tifa. C'est normal qu'il y ait moins de dégâts. Okay. Un de... On peut mettre ça. Bah du coup, on peut lui mettre... ça, je lui mets un soin, ça, je lui mets un poudre. La glace de barrette à double est passée au niveau supérieur, donc ça c'est cool. La feu elle est déjà mieux. Du coup j'ai peut-être soin aussi, comme ça il y en aura un. Ah mais ah non il y a trois soins, hop là. Hop, on va passer par la case ici. Dégâts, ouais, dégâts de foudre. Augmenter foudre. Je vais peut-être lui filer à elle. Du coup, ça a une des améliorations. Rapidité. MP, non. Dégâts additionnels à la matière d'infinité. Oui. Sans altération, non. Attaque, on va mettre oui. Et du coup, c'est à elle qu'on va filer la matière foudre. Finalement. Chakra, je vais garder. Bon, ok. Action, faudra que la route. Papapapara, je ne sais. On va mettre la foudre de Cloud. Cool. Ah bah, il n'y a pas. Elle est là. Attendez, mais je fais de la merde, hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, c'est la feu qui est là actuellement. Ah, bah du coup, si... C'est plus celle-là. Mettre... la vendre, bon, et mais du coup est-ce que je me suis on va faire comme ça, mettre celle là ici, on va mettre celle là elle a pas de soin par contre, est-ce que ça vous dit? Protection, barrière physique, barrière magique. Ok. Le mur sera bien. Pff.
Ok, on va laisser tel quel. LB, c'est pour faire ça. Ok, bah... ça a l'air pas trop trop mal. Let's go. Il n'y avait pas de carte. Et ensuite, ça. Non, il y a juste les gants de Tifa ici. Pas de carte ici. Non plus. Pas de carte derrière le réacteur. Ok, let's go. Là-haut, s'il te plaît. Il y a 4 consoles. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. Là, j'en vois une. Parfait. Peut-être lui retirer une bombe, comme ça, ça sera chiant pour lui, et je vais lui retirer un truc comme ça. Ici, c'est le cœur d'IA. Mais il vaut mieux vérifier les autres consoles. Ouais, non, un cœur d'IA, c'est déjà bien. Il sera encore plus lent, du coup. Je vais lui retirer une bombe. Rejet du cœur d'IA. Ça devrait le retarder, en tout cas. Et du coup, on va retirer une bombe. Ça, c'est cœur d'IA. Ça, c'est une bombe. On va la retirer. C'est des gigabombes. Essaie de jeter ce qu'il y a. Comme ça, il pourra jamais faire l'attaque gigabombe. C'est déjà ça. Rejet de la gigabombe. Parce que la gigabombe, c'est vraiment ce qui peut être, ce qui peut nous foutre dans la merde. On a fait ce qu'on pouvait en tout cas. Ça devrait aller, on l'a bien dépouillé. Maintenant, il reste plus qu'à attendre le résultat. Oh. On approche de la sortie. Tifa, t'es prête pour la bombe? Oui, t'inquiète pas. Dès qu'on aura éliminé le tas de ferraille, t'appuies sur le bouton. Let's go. Ça reste dans mes cordes. D'accord. Là, c'est bon. Ah!
Amélioration des armes. Cloud, je peux lui mettre un truc. On va le faire, hein, du coup. Attaque magique, non. On va viser l'attaque physique. Et soins, attaque physique. Ouais. Ensuite, là, non. Ici. Sept points, donc on va les mettre là. Augmenter sa rapidité, tiens. Let's go. Alors, il y a des cartes par ici. Pas l'impression. Ah ah. C'est pas par là. Ouais, je sais, je sais. Du coup, il a pas de gigabombe. Il a deux coffres. On veut. Ici, on a quoi? On a fait notre possible. Il nous reste plus qu'à croiser les doigts maintenant. Et merci Kyushi pour son Prime. 17 mois qu'il suit la chaîne, incroyable. Comment ça va? J'ai beaucoup joué avec Tifa sur le fight. Pas le choix. Alors, est-ce qu'il est prêt? Il manque des gigabombes. Nous cherchons une solution. Faites vite. Le directeur s'impatiente. Ok. Il est pas encore prêt. Les intrus, tous sur eux. J'ai besoin de temps pour les réglages. Off, off, off. Je compte sur toi. On a les rois des soldats. J'arrive. On va tenter. Il va passer dans le dos. Ouais, ça va, ça se passe. Ok, bah j'arrive. Pense, salto éclair. C'est. Pense, salto éclair. Il y en a un là-bas. Matériel sont évolués. Parfait. Je réfléchis. Ces données, ce sont les caractéristiques du robot, non? On trouvera sûrement son point faible au moment de l'affronter. Si on arrive à garder notre sang-froid, on le vaincra forcément. On devrait décider d'une pause pour la victoire. Un truc bien synchro pour la télé. Je suis sûr que tous les gamins nous imiteront après. Pas question. Oh merde! On peut pas monter par là. On n'arrivera jamais à remonter par les tuyaux. Cherchons autre chose. Ah. Lance. Allez, Tifa, c'est parti. C'est parti. Oui. Oh putain. Un sort de soin maintenant, non? Non. Ah pas. J'arrive. Et...
sera Tifa. Let's go. J'ai pris la règle avec celui-là. C'est pas fini. Allez Tifa, à toi de jouer. Voilà, évolution de la matière foudre, on est content. Par contre, où est la salle des rebuts? C'est surtout ça que je cherche. Et il faut que je fasse reposer mes personnages parce qu'ils sont bien fatigués. Hop, petit coffre. Dernier terre. Tchac. C'est bizarre qu'ils aient été obligés de mettre comme des LED ici parce que sinon en fait... On ne les voit pas. Oh. Étance, je suis rapide. Voilà. Bien niveau. Oui, Barrette. Amélioration d'âme, Barrette. Voyons voir ce que je peux améliorer. Il y aurait des effets bénéfiques sur soi, du coup. Non, on va améliorer ça. Voilà. Et par ici. Ouais, il est là. Oui. Voilà le prochain boss que j'ai. Hop, 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 hop. Non, j'ai cru que ça descendait ici. Frayeur. J'ai pas trouvé la salle d'Airbus, ça me saoule. C'est peut-être plus loin, j'en sais rien, mais... Ok, donc ça, ça doit être la salle juste avant le robot. Ok, donc du coup, au niveau des équipements, vent, feu et soins. Oh, j'ai un meilleur soin, j'ai une récupération, ça, ça peut être cool. Feu, ça va pas être utile. Bon, non plus d'ailleurs. Mais je suis obligé de laisser celle-là à Tifa. Foudre, elle est pas améliorée et la celle-là non plus. On va laisser telle qu'elle. Barrette MP plus. Ah, faudrait peut-être que je mette plus. Non, on va laisser tel quel aussi. Tifa. Ok. Ça va être bon. On va espérer. Je pense que la salle d'Airbus c'est après. Je sais plus. Et ça me saoule. Excusez-moi.
Ok. Faire une sauvegarde. Je veux pas perdre mes rebelles. J'ai été mis dans la salle d'herbu, donc c'est peut-être à côté. Viens voir. Surprise. Bah alors, dépêche-toi d'ouvrir là. Il y a un verrouillage d'urgence. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? On peut ouvrir de la salle d'à côté. Allez. Vraiment tout pour nous emmerder. Je le fais pas dire. Et apparemment, il y a aussi l'entrepôt des... Ah bah voilà. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés. La salle au trésor. Génial. Allons-y tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Comment on fait pour ouvrir? Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Pour désactiver le verrouillage, il est nécessaire d'actionner les quatre leviers de la même console en même temps. A vous de déplacer les leviers contrôlés par Barrett, avec, tac, dans la direction. Ok. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. On va en avoir, hein. C'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt? Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Parfait. Et voilà. Du premier coup. Bravo. Parfaite coordination. Allez, Cloud. Ouais, pas mal. Bon, si on jetait un œil à cette salle au trésor. Ok. C'est là qu'on récupère nos trésors? Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas? C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre alors? C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Ha! Les doigts dans le nez! Ouais! Essayons! Let's go! Je veux mes trésors! Le mode de sécurité maximum est actuellement activé. Faites attention! Activez les leviers à mon signal. Allez, on y va. Au même moment que Tifa. Ça va, j'ai compris. Allez, Tifa, vas-y. D'abord, le premier niveau. C'est parti. 1, 2. Niveau 1 du mode de sécurité désactivé. Okay. Vous avez été parfait. Continuons comme ça. Niveau suivant. 1, 2. Niveau 2 du mode de sécurité désactivé. Bravo. Vous avez pris le coup. Ouais, allez, on s'épêche là. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. On a fait la moitié. Encore un petit effort. 1, 2. Ah, raté. Panique. Je compte sur vous. 1, 2. Bah, j'ai fait trop tôt. Faut qu'on se coordonne. On va y arriver. 1, 2. Oups. M'arrête. Ça vaut trop. On se concentre. Ouais. 1, 2. Elle va. Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Putain, c'est... Je vais pas y arriver. Allez, au secours. 1, 2. Tu serais pas un peu trop tendu là? Donc là, c'était Cloud. On va y arriver. Oui, on va y arriver. 1, 2. Faut qu'on se coordonne. Ouais, bah. Laissez-moi donner le signal. On y va. Boum, 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 boum. C'est encore plus compliqué. Ça va être long. On va quand même bien finir par y arriver. Mais oui. 1, 2. Niveau 3. Voilà. Sécurité désactivée. Bravo, bien joué. On forme une équipe du tonnerre. C'est le dernier.
dernier niveau. Restons bien concentrés. Pas de panique. Ouais. En pleine panique, mais bon. Je compte sur vous. 1, 2. La droite. Essaie de le faire à la même vitesse, bordel. On se concentre. 1, 2. Oups. T'es vraiment... Je t'emmerde. T'as qu'à le faire. Voilà! Allez! C'est qui le nulos? Non mais oh! Petite merde! Après 15 000 essais, il a enfin réussi! Ça n'en finirait jamais! Eh oh, Cloud, sérieusement? T'es sûr que t'étais soldat avant toi? On n'a pas été entraîné pour ça. Ouais, c'est le cas. Quand on veut être un bon mercenaire, il faut savoir tout faire. Bon, ça suffit, les chamailleries. Je suis sûr en plus t'as un succès Steam pour désactiver les leviers. Non, je suis sûr que t'as un succès pour déverrouiller tout du premier coup, ça se trouve. Allez, envoie. Envoie mes rebuts. Putain, fallait maintenir. Les leviers, mes pires ennemis. Génial. C'est comme tu l'avais dit, Claire. Ça valait le coup de se faire chier. Et là. Magie augmentée. Tifa. Je vais les repirer. Glace. On va les mettre. Magie augmentée. Pour améliorer ses dégâts magiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un cœur d'IA. Gigabombe. Ah, t'avais loupé ça dans la game. Ah mince. Info que je sais parce que moi j'ai oublié. Il y a une arme sur un boss fantôme du cimetière pour Iris. Mais oui, je vois. Ok. Ouais, je sais que je me souviens de trucs. Mais je crois que j'avais récupéré toutes les armes dans, dans ma game PS4. C'est vrai qu'il faut peut-être faire voler ou je sais plus. Mais oui, ça me dit un truc. Et la matière volée, on va la récupérer plus tard, du coup, je pense. Allez. Déjà, première chose. On va acheter cette super musique. Tout ce qui est en réduction, on va le prendre. Là, on va le prendre aussi parce que je me suis fait éclatax la dernière fois. Voilà. Vérification une fois. Ils sont tellement plus de vie. Ok, amélioration, je peux pas en faire. Bah, petit repos. J'avais raté que ça. Ah, c'est chiant ça. Bah, en fait, le seul truc qui est du coup pénible par rapport à ça, c'est que tu perds une compétence pour Iris. C'est vraiment le seul point négatif, parce que après, à moins que l'arme soit hyper utile pour la suite du jeu, parce qu'il y a... Tu n'utilises pas n'importe quelle arme, n'importe quel moment. Là, par exemple, là, je pourrais lui remettre son ancienne arme. Mais comme j'ai qu'une seule matéria... Affinité élémentaire, je l'ai foutu sur Tifa. Et comme en plus, elle a récupéré des gants qui améliorent ses attaques électriques, bah là, tous les monstres de type électrique, je sais qu'ils vont prendre cher, quoi. Et de sauvegarde, hein, on sait jamais. Allez, go. C'est à gauche, mais bah non. Allez, c'est parti. C'est comme hier, j'ai failli louper la matéria, une matéria d'invocation. Regardez. Les yeux de quelqu'un qui a baigné dans la Mako. Qui es-tu?
tient, soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement autodestructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les soldats sont conscients de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand ? Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Des lamentations. Tu gaspillerais ta salive, ainsi que mon temps. Oh, tu m'énerves. C'est comme sur les derniers chapitres... sur les derniers chapitres, si tu fais pas gaffe, tu peux louper une arme aussi pour Cloud. La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer, hein? Je ne veux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie, Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles, débat à fond. Vous êtes maintenant de vils complices de nos ennemis du Wutai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Complices du Wutai? Mais de quoi il parle? Vous êtes trop stupide pour comprendre ce qui se passe. Hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous pensiez probablement avoir mené votre plan. Mais vous n'êtes que les instruments de nos propres plans. Notre méticuleuse campagne est de propagande militaire. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre mort. 25 minutes. Allez. Salopard! Bien, le spectacle peut commencer. Vous êtes les ennemis du peuple de Midgar. Vous êtes reconnus coupables de grossir un jour avec vos montagnes. Le châtiment est immédiat. Les Ravens. Allez, c'est parti. J'en ai assez. Je vous le ferai payer. Ce jour-là, tu n'as pas supposé. Cloud, arrête de rêvasser. Je compte sur toi, moi. Cloud, ça va aller. T'inquiète pas. Oh, oh. Sous-moi ça. J'arrive. Allez, tu vas. Tu m'as annulé ma compétence là ou je rêve? Allez, Cloud, on se réveille. Ça, compétence. Hmm.
avancer. Première phase. Alors attends. Je pense que tu peux monter un peu le son du jeu sur OBS. Ouais. Non, t'es plus qu'un chouï là. Dira. J'ai jamais vu une telle puissance. On a échappé belle. Il faut l'attaquer prudemment. Je te finis. À toi de jouer. Je m'en charge. J'attendais que ça. Ça va pas. Barrette, il est derrière, s'il te plaît, un effort. Gigabomb, il en a pas. Normalement, il en a pas. C'est tout. Tu fais la PD. C'est pas ça. C'est pas ça. Oula. Ah, il y a encore Elish. La caméra. Pardon, Ifrit. Sur Tifa. Lol. Putain, c'est bon, c'est pas. Est-ce que je peux l'avoir? Ah, je l'ai pas eu! Dommage, je pensais que je pouvais le mettre en état de choc. Allez. Mais non! Je l'avais mis en état de choc.
Ça c'est bien. Ça vient, ouais. On dira des nouvelles. Maintenant, on donne tout ce qu'on a. Je vais le réduire en pièces. J'ai pensé dedans. Quel con. Idiot. Vite. Sors. Fais soin. Sors. Arrête pour que ça vaille là. Allez, ensemble. Je m'en occupe. Vas-y, tu vas. Allez, on fait une mix. Là, on va grincer maintenant. Mettons-y tout en bas. Bande de déchets. Voilà qui arrive. Ça continue à se déchirer. C'est pas fini. Pas bouger. Lance la compétence s'il te plaît. Tu veux pas la lancer? Ok, on va recommencer. Prends pas le laser. Désolé pour l'attente. Laisse-moi faire. Que fait Nyx Tifa? Ah, Tifa crève pas. Oh, ils sont plus de vie, on a plus de vie. Sors. Il... Arrête. En fait, ce qui est terrible, c'est que je vais même pas pouvoir amener la vie au monde. Je me demande si Cloud il va pas l'écouter.
Tifa. Désolé, je t'ai mal jugé. C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi. Adieu Cloud. Et c'est la fin du jeu, il est mort, on arrête là. Chapitre 7 terminé. Bon bah YouTube, on va faire des bisous, hein. On va se dire à la prochaine. Après ce fight qui a failli très très mal tourner.